Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre web-série « Et pourquoi pas vous ?» Votre programme qui explore chaque semaine le territoire de l'agglomération de Saint-Malo à la rencontre des acteurs économiques et habitants qui s'engagent pour notre environnement. Et aujourd'hui, je suis aux côtés de Thiago. Bonjour Thiago. Bonjour. Alors vous êtes un habitué du vélo, hein, oui. C'est ça, donc de la vraie liberté de déplacement. Alors ma première question, c'est pourquoi avoir choisi d'optimiser vos déplacements à vélo? C'est un bon moyen alternatif à la voiture qui permettent d'arriver presque au même temps si on considère des petits déplacements sur l'agglomération. C'est moins stressant, on n'a pas à se garer. C'est moins stressant, c'est bien pour la santé, c'est écologique. Et donc toute la petite famille s'y est mise, c'est ça? C'est ça, ma compagne aussi, elle est adepte du vélo. On a une fille de 2 ans, donc elle a encore pas l'âge de faire du vélo, elle fait de la drezaine. Peut-être qu'un jour ça viendra. On aime beaucoup se déplacer à Saint-Malo et faire des petites promenades à vélo, mais aussi de faire les déplacements de tous les jours, d'aller faire ses courses, d'aller rendre visite à des proches à vélo aussi. Et pour les déplacements plus longs, alors vous faites comment ? L'agglomération, elle a un système de transport MAT qui est assez étendu sur le territoire. Et pour aller encore plus loin, il y a le réseau intercommunal Bresgo, aussi disponible. Merci Thiago. Donc là, moi, je vais voir Yoelma qui, comme vous, avec sa famille, privilégie le vélo pour ses déplacements. Bonne route, Thiago. Merci. Merci à vous. Bonjour Yoelma. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors vous êtes une habituée de l'utilisation des box à vélo, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc comment ça marche en gros? C'est super simple, vous mettez votre vélo à l'intérieur, vous laissez vos affaires, toutes les explications sont écrites sur le portail. D'accord. Vous fermez, vous mettez votre petit cadenas. Et donc on peut laisser son vélo combien de temps ici? Et là on peut le laisser 4 jours. D'accord, ok. Donc vous utilisez le vélo et puis vous après vous enchaînez avec le bus ou le train, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors il paraît qu'on peut avoir un abonnement auprès de son employeur. Oui, selon la situation, vous pouvez demander à votre employeur de rembourser 50% de l'abonnement de transport. D'accord. Voilà, c'est super pratique. Ouais, c'est valable pour tout le monde, il suffit de faire demande auprès de son employeur. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, mais merci Yoelma, je vous retiens pas plus longtemps, je sais que vous avez un train à prendre, je vous laisse filer. Tout à fait. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir, merci. Désormais, vous en savez un peu plus sur tout ce qu'on peut faire pour optimiser ses déplacements et penser à l'environnement. Parce que rappelons-le, sur Saint-Malo agglomération, le transport de voyageurs représente à lui seul un quart des émissions de gaz à effet de serre. Alors pour réduire la place de la voiture dans nos déplacements, pourquoi ne pas aussi tenter le covoiturage? Notamment grâce à cette application gratuite et locale qui s'appelle WestGo. Allez, je vous lance un défi. Celui d'utiliser une fois par semaine un autre moyen que la voiture pour se déplacer. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Et pourquoi pas vous. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous.